voix par les urnes. Ce qui veut dire qu'il est exclu qu'il y ait un changement puisque nous sommes contre le coup d'État. Ça veut dire que les élections présidentielles prochaines auront lieu normalement en 98. Les élections législatives ne toucheront pas donc la présidence. Par contre, le PIP, le COSELAC, le MOSALAC, se ramassent d'opportunistes et d'escrocs qui ont fini de piller ce pays et qui sont aujourd'hui la lie de ce pays. Je suis certain que le président Conté aujourd'hui, lorsqu'il est dans son palais, il se demande comment se débarrasser de ces gens, car il sait que ce n'est pas avec ces gens-là que la Guinée peut être construite. Malgré les sacrifices immondes qui ont été faits ici pour nous empêcher de signer, nos documents ont été signés, ne se gêne pas pour demander l'argent des Blancs pour organiser les élections. Il ne se gêne pas pour demander que le peuple doit s'organiser pour pouvoir voter librement, pacifiquement et éliminer.